Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere venuti così numerosi per questo anniversario dell'Accademia della Cucina Italiana a Parigi. Et donc je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour les 30 ans de l'Académie Italienne de la Cucina à Parigi. Et je suis heureux de vous accueillir à l'Institut Culturel Italien de Paris. Et je vous porte les salutations du directeur, M. Fabio Gambaro, qui n'est pas là, mais qui est très content de vous voir, de vous accueillir. Et quindi vi ringrazio et porto i saluti del direttore dell'istituto che purtroppo non è qua e siamo molto ben felici di accogliervi perché tutto quello che riguarda la cucina fa anche parte della programmazione dell'istituto ed è uno dei punti forti non soltanto dell'Italia ma anche della promozione culturale ovviamente della rete degli istituti. Il Ministero ha istituito nel mese di novembre, cade solitamente come la terza settimana di novembre, una settimana dedicata alla cucina italiana e quindi ci fa piacere ricordarla come appuntamento annuale. E poi l'Istituto, come dire, con un calendario con un calendario abbastanza frequente, organizza sempre delle attività dedicate alla cucina italiana e molto spesso anche delle attività dedicate alla cucina regionale. Questi saperi, queste conoscenze vengono ampiamente diffuse dall'Accademia Italiana della Cucina e presente in vari paesi del mondo attraverso diversi comitati e siamo veramente felici di avere questa giornata dedicata ai 30 anni del Comitato di Parigi. Monsieur le directeur de l'Institut culturel italien, cari accademici, mesdames et messieurs, la délégation de Paris de l'Académie italienne de la cucina est très honorée de votre présence à cette réunion qui célèbre son 30e anniversaire et qui est l'occasion d'un débat amical entre les cuisines italiennes et françaises. L'Accademia Italiana della Cucina est une institution de la République italienne, une institution culturelle, qui a pour but de promouvoir et de sauvegarder le patrimoine gastronomique italien, ses valeurs, sa tradition, son histoire. Et ceci se fait grâce aux membres des délégations qui sont actuellement au nombre de 300, 220 en Italie et 80 dans le monde entier. Et donc, qui confient, les délégations ont en charge une ville ou un territoire donné. Et donc, en plus des délégations, il y a également les membres du comité pour les études du territoire, qui est composé d'éminentes personnalités. Notre académie publie des ouvrages, d'abord une revue mensuelle, dont vous avez quelques exemplaires sur les consoles qui sont à votre disposition et qui traitent de différents sujets concernant toujours en rapport avec l'alimentation et puis des ouvrages de monographie sur différents sujets qui sont toujours très intéressants et bien documentés. Voilà. Mais revenons à notre débat d'aujourd'hui. Dont le thème est les influences réciproques entre la cuisine française et italienne au cours des 5 derniers siècles. Je remercie très chaleureusement les intervenants qui ont accepté de présenter et de disséquer surtout ce sujet qui est vaste, complexe et délicat et qui va nous fournir des informations très intéressantes et probablement insolites et qui ne sont pas tout à fait connues. Voilà. Donc, j'invite un grand ami de la délégation italienne, Michele Canonica, président du comité de Paris de la Società Dante Alighieri, à présenter les intervenants et à modérer le débat.
Oui. Là, j'espère qu'il n'y aura rien vraiment à modérer, car je pense qu'il va s'agir surtout d'une discussion amicale. Et les deux langues vont être utilisées. Nous savons bien que le public de l'Académie, du siège de Paris, de l'Académie italienne de la cuisine, est un public français, francophone, mais en même temps, nous savons que la plupart de ceux qui sont ici sont pratiquement bilingues. Donc on va donner sa place à chacune des deux langues. Et le sujet des relations entre la cuisine italienne et française est un sujet délicat, comme vient de le dire Luisa Polto. C'est grosso modo à l'époque de Catherine de Médicis que l'Italie est arrivée au fourneau de la cuisine française, et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu des échanges importants. Comme chacun sait, la cuisine italienne est traditionnellement basée surtout sur la qualité des ingrédients, disons la matière première, alors que les préparations françaises sont plus complexes, plus compliquées, et par conséquent, on a tendance même à masquer ou à exalter les goûts de base des différents ingrédients. Et ce sont des échanges qui ont produit des résultats absolument très, très intéressants et très appréciés. Il est vrai que la cuisine française, à une époque même assez récente, était plus répandue sur le plan du rayonnement international. Aujourd'hui, vous trouvez des restaurants italiens de grande qualité dans toutes les principales métropoles du monde. Et là, la gastronomie française est devenue quelque chose d'un peu différent par rapport à l'époque, hélas, de ma jeunesse. À cette époque-là, chaque restaurant italien dans un certain niveau proposer dans sa carte proposer un plat français. C'était une manière d'annoblir l'image de marque du restaurant. Aujourd'hui, les Italiens sont devenus peut-être plus sûrs d'eux-mêmes, et donc il est difficile que vous retrouviez à Rome ou à Milan ou à Turin ou à Naples, en présence de plats français dans un restaurant italien. Mais disons, ce sont des échanges extrêmement intéressants qui vont être approfondis ce soir, y compris la fameuse question de la fourchette. Là, j'espère que quelqu'un ayant une culture historique plus approfondie que la mienne puisse nous fournir des lumières sur cette fameuse histoire de la fourchette que les Français du Moyen-Âge ignoraient, et ils étaient des guerriers, ils étaient des héros à l'époque des croisades, mais donc des gens rudes qui considéraient la fourchette même comme quelque chose d'un peu efféminé, de quelque chose qui ne fait pas partie de la culture d'un viril, d'un guerrier. Justement, à l'époque de Catherine de Médicis et de ses amis toscans, la fourchette a fait son entrée sur les tables françaises, et elle a été officialisée à Versailles par Louis XIV, qui au départ ne l'utilisait pas volontiers et qui, à un certain moment, l'a acceptée. Donc, je pense que pour démarrer ce débat, personne ne serait aussi capable d'attirer tout de suite votre pleine attention que Corrado Augias, qui est pour moi un vieil ami, mais qui est surtout un
l'un des plus populaires journalistes italiens, et je tiens à souligner que dans cette salle, il y a des personnes qui sont venues à Paris exprès pour l'écouter, pour le plaisir de l'écouter. Donc, ça, c'est la pure vérité. Enfin, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Donc, ça, c'est sûr et certain. Gentili signore e signori, grazie intanto di avervi fatto l'onore di chiamarmi a parlare, dire due parole su questo tema fondamentale. Fondamentale, oltre a quello che è già stato detto, grazie gentile signora, in particolare lei, di aver pensato a me. Fondamentale, oltre a quello che è già stato detto, da un punto di vista che vede la cucina come un rivelatore culturale. Dirò in pochi minuti perché azzardo una definizione così impegnativa, per una cosa che ci riguarda tutti, che può essere sbrigata nella maniera più umile come nella maniera più ricercata e formalmente ricca, e tuttavia e nella prima maniera e nella seconda si conferma un rivelatore culturale. Michele Canonica ha già accennato in una certa misura a una delle caratteristiche divisive. La cucina italiana è fatta soprattutto di ingredienti a vista, la cucina francese no, la cucina francese è fatta di piatti composti, resi uniformi da salse che abbondano, salse le quali a loro volta sono fondate sul burro che le amalgama, le tiene insieme, gli dà consistenza e solidità, laddove la cucina italiana nella sua nudità, nella nudità dei suoi ingredienti è piuttosto fondata, come tutti sanno, almeno per quanto riguarda l'Italia centro-meridionale, che da questo punto di vista è la più espressiva, è fondata sulla cultura dell'olio, l'olio d'oliva che in Francia pure c'è e riguarda, come sappiamo, il Midi de la France. Perché dico ingredienti? Faccio subito un esempio che mette sul tavolo, sulla tavola, è il caso di dire, questa mia affermazione. Pensate alla genialità miserabile di un piatto come la pizza napoletana. Dico genialità miserabile perché la pizza napoletana è figlia della miseria. Una sfoglia di pane, acqua e farina, sale, del pomodoro, qualche fetta di mozzarella e se formaggio morbido da mangiare fresco, e se restava in fondo al barile dei pescatori qualche alice rimasta lì, qualche filetto di alice, forno, ecco, da questi ingredienti poverissimi e da questa intuizione geniale è venuto fuori uno dei piatti, per riprendere le parole di Michele Canonica di poc'anzi, che oggi sono sparse in tutto il mondo. Ci sono stati recentemente presidenti degli Stati Uniti che si diceva mandassero nel corso di riunioni le più importanti dal punto di vista strategico a prendere qualche fetta di trancia di pizza dal pizzaiolo lì a Washington, poco lontano. Parlare di cucina italiana, dato questo esempio, peraltro è abbastanza improprio, perché anche in Francia esistono piatti regionali, ma forse le diversità tra i piatti della cucina italiana del nord e quella del centro-sud sono più marcate che non sia in Francia. Pensiamo per esempio alla cucina romana. Esiste una cucina romana? Esiste. Di che cosa è fatta la cucina romana tipica? È fatta ancora, in questo caso, è figlia della miseria. La cucina romana vede gli spaghetti, anzi i maccheroni, per usare un vecchio termine oggi quasi desueto, vede i maccheroni con l'appagliata. L'appagliata è l'intestino del vitello da latte ancora pregno
del suo contenuto. Mi avvicino senza scendere in dettagli di che cosa sto parlando. Ecco, quello è un piatto tipico, così come lo è la coda alla vaccinara. La coda alla vaccinara è la coda del bue, dove si tratta di ossa, via via degradanti verso l'estremità della medesima coda, con intorno delle cartilagini, qualche filamento di carne e della cute, della pelle. Anche questo, insomma, voglio dire, adesso senza fare troppo le cose perché poi si cade nel macchiettismo, ma voglio dire che la cucina romana è nei suoi ingredienti fondamentali, si basa sugli scarti, quelle parti delle bestie che in cucine più ricche, a cominciare da quella dell'Italia del Nord, venivano messi via e dati semmai da mangiare agli animali, sono l'ingrediente base della cucina romana. Non parlo di Salto Napoli, a parte l'invenzione generale della pizza, perché tra un po' ne udrete di cotte e di crude, è il caso di dire a proposito di Napoli. Invece scendo ancora più giù, salto anche la Calabria, perché la Calabria purtroppo è una regione povera da ogni punto di vista, compreso quello culinario, e vado direttamente, per dire due parole, tra Puglia e Sicilia. La Puglia è una regione anch'essa non ricchissima e il suo piatto fondamentale è nell'intuizione di mettere insieme carboidrati, cioè una variante della pasta, che lì si chiamano le orecchiette, perché sono delle... Io l'ho viste fare le orecchiette dalle donne pugliesi bravissime, che sono dei frammenti di pasta piccolissimi avviati con un colpo di pollice che le rende simili, diciamo così, a delle orecchie. Orecchiette con le cime di rapa. Le cime di rapa sono i fiori, l'estremità tenera, gustosa, delle rape che di per sé sono un vegetale gustosissimo. Ecco, allora pensate anche lì, non c'è carne, non c'è grasso, è carboidrato rappresentato dalla pasta e verdure rappresentate dalle rape. Scusate, adesso io poi mi faccio prendere la mano, ma sembra, in realtà controllo il tempo e so che devo parlare pochi minuti. Più in genere, dico solo una parola sulla cucina piemontese. La cucina piemontese nord-ovest della penisola è la più vicina alla cucina francese, e per l'elaborazione degli alimenti e per il tipo di condimenti che affianca all'olio anche lo strutto e il burro, e per la qualità, che devo dire, la cucina piemontese, se si deve scegliere in termini di qualità quale sia la cucina migliore, più rappresentativa, più gustosa, più ricca d'Italia, non c'è dubbio che sia la cucina piemontese, anche se non ne metterei in disparte il risotto con lo zafferano, che è tipico della cucina di Milano, fatto lì col midollo, fatto col midollo di bue, quindi un piatto che presuppone climi freddi, gelidi, annaffiato dal vino. E qui affronto l'ultimo argomento che vorrei sfiorare, ed è i vini. Quando nel 1945 è terminata la Seconda Guerra Mondiale, se a parte tutti gli altri argomenti che si possono tirare in ballo ci fermiamo alla enologia, dobbiamo constatare che il confronto tra i vini francesi e i vini italiani era improponibile, nel senso che la qualità tradizionale dei vini francesi era incomparabile con quella molto più modesta dei vini italiani. Salto tutti i dettagli, se ne potrebbe parlare, ma qui dobbiamo andare per sommi capi. Bene, questo divario enorme, dopo mezzo secolo, 60 anni, vi devo dire che è stato molto, molto, si è molto equiparato. Ormai i grandi vini francesi restano grandi vini francesi e là non si discute. Ma se andiamo sui vini medio-alti e compariamo qualità di un vino francese e di un vino italiano, dobbiamo dire che sarebbe interessante una sera, mettendo a rischio il nostro fegato,
se volessimo fare oltre che un confronto culinario anche un confronto, caro canonica, gentile signora, di vini. Anzi, vi dirò di più, una volta noi, e qui chiudo perché posso andare avanti, potrei andare avanti a lungo, ma non lo faccio. Una volta, qualche anno fa, proprio qui a Parigi con amici francesi, abbiamo fatto una gara, formaggi contro fromage. Ora, noi tutti sappiamo che De Gaulle diceva è impossibile governare un popolo dove ci sono 110 qualità diverse di formaggi. Giustissimo, potremmo dire la stessa cosa dell'Italia. Allora abbiamo messo a confronto sulla tavola una decina di qualità di formaggi francesi e una decina di qualità di formaggi italiani. Due differenze di fondo che vi voglio ricordare. La prima, la formaggeria francese non conosce, come quella italiana, i formaggi molto stagionati. Non conosce. I formaggi francesi tendono ad essere freschi o semifreschi, laddove in Italia accanto ai formaggi freschi e freschissimi, perché la vera mozzarella è prodotto di giornata, vorrei dire. Attenzione, quella che si mangia generalmente non è la vera mozzarella, è un'imitazione della mozzarella. La prima qualità è questa. La seconda è che i formaggi francesi tendono ad essere uniformi verso il gusto piccante e acido, laddove in Italia voi avete anche formaggi che tendono al gusto grasso dolce. Voi sapete che i gusti, dal punto di vista, sono piccante, acido, dolce, amaro. Ecco, in Italia abbiamo anche formaggi che tendono al gusto dolce grasso, laddove quelli francesi vanno dall'altra parte. La terza cosa che possiamo dire è che dopo aver a lungo dibattuto sulla qualità dell'uno e dell'altro, sul sapore, la resistenza alla masticazione dell'uno e dell'altro, che va a vantaggio di quelli italiani, perché i formaggi francesi non oppongono una grande resistenza alla masticazione, sono cedevoli e il formaggio alle volte ha da essere roccioso. Un nostro amico introdusse di soppiatto sulla tavola un blocco di parmigiano e lì, vi devo dire la verità, la guerra finì con il trionfo della formaggeria italiana, di cui il parmigiano è re. Viva il re! Grazie Corrado Augias per questo intervento che è stato dotto ma anche spiritoso e molto piacevole da seguire. E naturalmente non voglio perdere l'occasione per sottolineare la eccellente collaborazione fra l'Accademia Italiana della Cucina, delegazione di Parigi, l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi e il Comitato di Parigi della Società Dante Alighieri, che è, come sapete, la più grande associazione culturale italiana, con oltre 500 comitati in tutti i continenti. La Dante Alighieri inizialmente si occupava solo di letteratura e nel tempo ha allargato lo spettro dei suoi interessi e dunque si occupa anche di gastronomia. Ma là, je ne veux pas abandonner la langue française et je souhaite souligner l'importance d'un point qui a été traité par Corrado Augias, c'est-à-dire les plats régionaux. L'Italie est un pays de région, non seulement parce que son unification politique est relativement récente, mais aussi parce que c'est un pays tout en longueur où il y a vraiment des différences culturelles gigantesques entre les différentes régions. C'est comme une sorte de continent en miniature. C'est une mosaïque, et si vous comparez le Tyrol avec la Sicile, si vous comparez le Piémont dont Corrado Augias a proposé un éloge concernant sa gastronomie, disons, proche de la française, si vous comparez le Piémont
avec les pouilles, c'est évident que vous êtes en présence de cuisine complètement différente. J'aurais de la peine pour établir des hiérarchies. C'est sûr que l'un des éléments qui intéresse les étrangers qui visitent l'Italie, c'est justement cette diversité régionale. Nous organisons en tant que comité de Paris de la Dante chaque année un voyage dans une région italienne différente et ça, je dois dire, c'est un point qui fascine nos adhérents français, c'est-à-dire le fait que aller à Florence ou aller à Naples veut dire c'est un peu comme visiter deux pays différents. Donc, on parle grosso modo la même langue mais avec des accents très très différent et on est en présence d'une gastronomie, d'une culture qui vraiment change énormément, même avec des distances limitées. Entre Bologne et Florence, il n'y a que 100 km et pourtant ce sont deux mondes très très différents. Donc là, on va écouter le deuxième intervenant d'aujourd'hui, c'est Carmen Guerriero, journaliste qui est une spécialiste de la cuisine du royaume de Naples, donc de l'Italie méridionale. C'est un plaisir de la voir. On a fait parler par téléphone il y a quelques jours. Elle va s'exprimer en italien. Io parlerò del Monsù, dei Monsù che sono stati questi cuochi raffinati francesi che ad un certo punto sono stati chiamati nelle corti della napoletane e siciliane, quindi del Regno delle Due Sicilie, e della loro cucina creativa francese. Però partirò da un altro punto di vista, perché l'evoluzione creativa della cucina francese nel Regno delle Due Sicilie è stata strettamente connessa anche a quella che con terminologia moderna si chiama mise en place, e che è l'allestimento dei tavoli con tovagliato particolare, con adobo floreale, con utensili, e più precisamente quindi partirò dalla forchetta. Non deve quindi meravigliare questa mia scelta, perché voi capirete perché. La forchetta, le prime si hanno già tracce nel Neolitico, quindi era chiaramente un attrezzo molto molto rudimentale. Poi nel periodo egiziano esisteva un attrezzo particolare che serviva soltanto per i riti. Dobbiamo aspettare quindi i greci, gli antichi greci, che a tavola, per non toccare i cibi direttamente dal vassoio e quindi non sporcarsi le mani, usavano i ditali d'argento, usanza che fu subito mutuata dagli antichi romani nel periodo imperiale, con dei piccoli oggetti a due punte, qualcosa di più simile alla forchetta, che venivano chiamati ligula o lingula. In effetti il primo prototipo simile alla forchetta lo ritroviamo nell'anno 1000, quando in occasione del matrimonio di un doge veneziano con una principessa bizantina, questa portò da Bisanzio una piccola forchettina d'oro a due ribbi. La Chiesa chiaramente gridò allo scandalo, perché questi due ribbi venivano accomunati alle corna, e quindi subito bollò come peccato l'uso e lo interdisse per almeno 5 secoli, almeno questo formalmente, perché nelle cucine invece, dato che questo prototipo di forchetta era molto utile, continuò ad essere usato e veniva chiamato imbroccatoio o broccatoio o brocchetto, dal francese broche, che significa spiedo. In Italia invece nel XII secolo l'uso della forchetta era in voga presso i nobili fiorentini, esattamente la famiglia fiorentina dei Pucci, che a tavola le imponeva addirittura ai propri ospiti. E questo risulta da un famoso dipinto su tela, su tavola, di Sandro Botticelli, Il Nastagio degli Onesti. Poi, qualche secolo dopo, arriviamo al matrimonio di Caterina de' Medici, che è la nipote di Lorenzo il Magnifico, quindi abituata ai fasti della corte medicea, che
andando in sposa a Enrico II, portò volle portare dei cuochi italiani, un gelataio di Urbino e anche la mise en place, quindi il tovagliato, le tovaglie damascate, i calici di vetro di Murano e le forchette. Di fatto però in Francia questa usanza è attestato che non è piaciuta tanto, tant'è che c'è un quadro di Ingres che ritrae Luigi XIV e Molière a tavola, a cena, a tavola senza posate. E, per arrivare all'utilizzo diffuso della forchetta dobbiamo aspettare il Settecento, un altro matrimonio, Maria Carolina d'Austria, che sposa su commissione al re Ferdinando I, re delle Due Sicilie, ed era un detto anche re Nasone, re Lazzarone, insomma, perché era uno che odiava le etichette, anzi non le seguiva proprio, diciamo la verità, e quindi mangiava con le mani insieme alla sua corte, un re particolare sui generis, che a un certo punto per assecondare i gusti invece molto raffinati della sposa commissionò, che era stanca di vederlo mangiare con le mani gli spaghetti, commissionò al suo ciambellano Gennaro Spadaccini un attrezzo per girare, a rotolare meglio questi spaghetti, e nacque così la forchetta a quattro rebbi, così come ancora la usiamo e la conosciamo e la apprezziamo soprattutto. In tale evoluzione della forchetta sembra essere intervenuto anche il riso, perché il riso arrivò a Napoli nelle stive, portato nelle stive degli aragonesi nel XIV secolo, ma non ebbe affatto un successo, perché addirittura era considerato sciacquapanza, cioè era un cibo molto molto sciapo che i napoletani non apprezzavano affatto. E qua e addirittura venne relegato come medicamento, tant'è che i medici della scuola salernitana lo prescrivevano per i vari problemi legati all'apparato intestinale. Qua intervenne la genialità dei Monsun, perché Maria Carolina d'Austria pretese che dalla Francia andassero a corte anche i raffinati cuochi francesi, che però da subito si resero conto che non potevano proporre le ricette raffinate e molto delicate, che non corrispondevano al palato dei nobili, e quindi qui dovettero ingegnarsi. Per cui, per esempio, uno dei piatti più famosi e tuttora molto amati, Sartù, nacque da uno stratagemma, perché il riso venne addotto al pomodoro e ad una serie di altre pietanze come che ne so, i fegatelli, il fior di latte, eccetera. E quindi poi, per dargli un'aurea dorata e quindi nobile, fu rivestito di pan grattato dorato, e questo piacque moltissimo, tant'è che poi da allora appunto è diventato un piatto talmente importante che ancora adesso lo apprezziamo. Quindi la figura del Monsù era una figura molto particolare, aveva un ruolo fondamentale in ogni palazzo aristocratico. Il Monsù non era un semplice cuoco, chiaramente, ma era un vero e proprio professionista che aveva addirittura uno stipendio, e i palazzi, i nobili se lo contendevano addirittura a suon di duelli. Il titolo di Monsù poteva essere trasmesso di padre in figlio. Quindi figuriamoci, avevano diritto anche ad un appartamento, avevano diritto ad ogni, insomma, un sacco di indennità. Allora parliamo un attimo di qualche pietanza tipica, no? Quindi abbiamo parlato del sartù di riso, che è un must della cucina napoletana, ma anche siciliana, è il timpallo o timballo flammato. E a Napoli fu creato questa sorta di
era un insieme di a base di bucatini, ma dentro c'era ogni ben di Dio praticamente, rivestito sempre di pangrattato dorato, ma al centro era leggermente incavato e veniva posto un mezzo guscio con un poco di alcol che veniva acceso al momento di servirlo. Quindi immaginiamo questa sala con 90 persone, 90 ospiti e questi valletti che portano questi vassoi con questo timballo fiammante a ricordare il Vesuvio. La particolarità è che invece in Sicilia la ricetta era sensibilmente diversa, perché in Sicilia era arrivato, a differenza di Napoli dove il timballo all'epoca si faceva con la sugna, e invece qui era arrivato il burro, voluto proprio da Ferdinando e Carolina quando con l'arrivo delle truppe napoleoniche si rifugiarono a Palermo e fecero aprire a Partinico il primo caseificio. E infatti ce lo riferisce Giuseppe Tommasi di Lampedusa nel Gattopardo, che durante la cena di Donna Fugata fu servito questo timballo che da allora prese il nome di timballo del Gattopardo oppure di principe di Salina, perché era a base poi tra le altre cose di zucchero e di cannella oltre che di burro. Poi altri piatti particolari sono le sarde alla beccafico, per esempio, dove il beccafico era un uccello molto grasso che amava i fichi, solo chiaramente, come diceva prima il dottor Augias, era la reinvenzione della cucina popolare, quindi che non poteva permettersi delle pietanze raffinate, quindi l'uccello che era il beccafico, che era molto molto pregiato, fu sostituito dalle sarde, che erano sicuramente più economiche. Tra i dolci, so che dopo ci sarà un intervento specifico sul babà, quindi non vi anticipo nulla, però voglio parlarvi, oltre che della pastiera, che è un dolce chiaramente iconico, c'è un aneddoto che dice che addirittura Ferdinando II di Borbone lo fece assaggiare alla moglie e le strappò finalmente in pubblico un sorriso, e da allora fu istituito il dolce ogni Pasqua. La sfogliatella napoletana è un dolce che ancora adesso è molto, un dolce antico sicuramente, e a Napoli in particolare c'è una vexata questione su chi avrebbe inventato chi prima. In effetti l'ipotesi più riconosciuta è che la sfogliatella sia nata in un monastero, il monastero di Santa Rosa, da una suora che utilizzò insomma degli elementi della semola avanzata cotta nel latte, unita degli aromi e ai famosi limoni della costiera. E quindi creò questa sfogliatella dandogli la forma di un cappuccio da monaco. Poi in breve tempo si diffuse e arrivò a Napoli. A Napoli Pintauro, che era un oste, dalla sera alla mattina divenne, dicono le fonti, si improvvisò pasticcere e quindi tolse la crema, tolse la marena che facevano capo invece alla sfogliatella Santa Rosa, quella delle monache della costiera, e creò, quindi sostituì con la semola e creò quindi la sfogliatella che adesso conosciamo, quella classica. Però la prima ricetta della sfogliatella, chiaramente non come la conosciamo adesso, è attestata già dal Cinquecento in un'opera, l'opera dell'arte del cucinare di Bartolomeo Scappi, che fu cuoco di papi e di cardinali, e che questa fu un'opera che fu portata da Caterina de' Medici in Francia col suo matrimonio con Enrico II. Dopo un secolo, quindi nel 600, nell'epulario di Del Turco, Giovanni Del Turco, che era un musicista, un grandissimo appassionato di gastronomia, è ripetuta e riportata la stessa ricetta, quindi ne abbiamo ampia testimonianza. Ma non solo, a quanto pare
tra il XV e il XVI secolo c'è stata una circolazione così vasta di libri, soprattutto nelle corti principesche, ma anche di libri gastronomici, che fa pensare che praticamente l'influenza della cucina italiana su quella francese, della francese su quella italiana, in effetti è soltanto un mix di rivisitazione, per cui alla fine non possiamo dire chi ha influenzato chi. Voglio soltanto ricordare uno dei più grandi cuochi di fine Settecento napoletano, che è Vincenzo Corrado, che fu capo dei servizi di bocca del principe di Francavilla di Palazzo Cellammare a Napoli e che raccolse nel suo testo Il cuoco galante tutte le sue ricette, che furono molto apprezzate a Napoli, addirittura il libro fu riproposto in 7 edizioni. L'ultimo Monsù a Napoli è stato Gerardo Modugno, che è stato anche rettore dell'Accademia della Cucina Aristocratica Napoletana Maestri Monsù e ha lavorato presso varie cucine aristocratiche, tra cui quella della principessa Caracciolo di Castagneto, mentre in Sicilia l'ultimo Monsù è stato Mario Lomenzo, 50 anni a servizio della famiglia Tasca d'Almerita. In effetti la cucina dei Monsù può definirsi uno straordinario testamento enogastronomico del Mediterraneo e quindi sintesi di capolavori eccezionali sia della cucina francese che della cucina del Regno delle Due Sicilie, quindi napoletana e siciliana, e caratterizzate entrambe dall'uso sapiente delle materie, delle materie prime e della qualità, che sono poi la base dell'attuale dieta mediterranea. E quindi sapere che già nel Settecento questo era vero ci inorgoglisce particolarmente e ci rende fieri della nostra moderna arte gastronomica. Grazie. Grazie per questo intervento così, così interessante e devo aggiungere anche divulgativo. Era molto chiara questa esposizione e l'abbiamo seguita con grande interesse. Mentre parlava Carmen Guerriero è arrivata qui da noi la console generale Emilia Gatto, che quindi io ringrazio per la sua presenza e conoscendo anche il suo interesse molto specifico per la gastronomia, penso che ci abbia veramente tenuto a trovare un angolo di tempo per assistere a questo dibattito di quest'oggi. Ecco, sentiamo ora Barbara Rega, che qui mi risulta come biochimiste alimentaire, voilà, donc, et qui va intervenir sur le baba. Voilà, j'ai besoin d'être branchée à mes câbles. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honorée. Je suis honorée d'être avec vous. Alors, je suis napolitaine de naissance, mais parisienne d'adoption, donc je ne pouvais pas ne pas vous parler du baba, mais je le ferai avec mon regard amusé de biochimiste des aliments, comme vous avez dit, qui essaie de comprendre sa fabrication et son histoire. Alors, mon exposé s'appelle « Gluten, arômes et fantaisie », on va voir pourquoi. Alors, je suis aussi enseignante-chercheuse, donc je ne me priverai pas de vous poser quelques petites questions, juste pour se mettre en appétit, voilà. Donc, première question, quelle est pour vous l'origine du baba au rhum? Alors, lève la main ceux qui pensent qu'a été créé par les Bourbons de Naples. Ok. Et alors, qui pense qu'a été créé par Alain Ducasse? Personne. Bien. Et qui pense qu'a été créé à la cour de Versailles? Ok. Donc, il y a une prévalence de la première réponse. En effet,
Aussi, la troisième n'est pas très très fausse. Cette histoire est très très longue, mais passionnante. Donc, apparemment, il faut remercier un roi polonais, roi Stanislas Leszczyński. Il était donc en exil en Lorraine, et là, un jour, en trouvant son kouglof trop sec, il l'imbiba d'un vin liquoreux, donc le madère apparemment, et Eureka, le concept du baba était né. Donc son chef pâtissier, qui s'appelait Nicolas Streurer, lui, il élabora cette recette et la apporta à Versailles parce qu'il suiva Maria Leczinska, la fille du roi Stanislas et la femme de Louis XV. À Versailles, il était vraiment devenu un dessert très en vogue et Marie-Antoinette d'Autriche l'appréciait bien et sa sœur Marie-Caroline, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui était toujours à l'affût des dernières modes en provenance de Versailles, des modes vestimentaires, des modes architecturels avec la Reggia di Caserta, mais des modes aussi culinaires, l'emporta à Naples. Et là, en moins d'un siècle, il devint vraiment un dessert très populaire, dans le sens qui plaisait au peuple, en plus que de plaire à la noblesse. Et déjà, en 1836, il est cité dans un traité culinaire. Deuxième question. Voilà. Alors, quelle est pour vous la particularité du baba? Est-ce la texture moelleuse? Qui pense ça, que c'est vraiment sa particularité, c'est la texture? Levez la main. Levez bien parce que je dois compter là. Ok. Dizaines de personnes. Qui pense que c'est le goût de liqueur? Alors, combien de Français il y a dans ce deuxième groupe? Un seul Français? Deux Français? Ok, parce qu'en fait, moi, j'avais une petite idée. Je pensais que plutôt, c'était les Italiens qui étaient attirés par le moelleux de ce dessert, lorsque c'était les Français qui étaient plus intéressés par le goût de liqueur. On verra après pourquoi. Mais déjà, maintenant, allons investiguer un peu plus dans la texture, donc le secret de la texture et le secret du goût de la liqueur. Alors, je vous présente ici les deux recettes, en côte à côte, la recette d'un chef pâtissier napolitain et la recette française, du Larousse Cuisine. Ces recettes, elles ne sont pas très différentes au bout du compte. Hein. L'ingrédient principal est l'œuf. Après, vous avez de la farine, en 10% de beurre environ, après un peu de sucre et bien sûr de la levure boulangère, parce que c'est un dessert levé. Okay. Mais j'attire votre attention sur cette farine ici. C'est de la farine Manitoba. C'est une farine originaire du nord de l'Amérique. C'est là, je dirais, la clé de voûte du succès du baba, surtout le baba napolitain. Et on va voir pourquoi. Alors, une farine, donc là c'est la biochimiste qui parle, une farine est composée principalement d'amidon, 70%, après d'un peu d'eau et d'un 10% environ de protéines. Mais cette farine Manitoba, elle contient beaucoup plus de protéines. Et n'importe lesquelles, il s'agit du gluten de blé. Ce gluten de blé, il est capable de donner vraiment des propriétés de viscoélasticité à la pâte. Alors ça, c'est aussi une autre question. Est-ce que vous savez ce que c'est la viscoélasticité? Alors, il n'y a pas meilleure manière que de vous montrer. Alors, il va y avoir un petit film. Alors, ça, c'est le monsieur, le pâtissier napolitain de tout à l'heure. Regardez comme il travaille cette pâte, comme elle est visqueuse, élastique à la fois. Il est très, très souple et il peut la manipuler avec les mains. Bien sûr, il est très, très doué. Regardez, avec un seul geste, il remplit les moules à tarte. C'est magnifique. Et donc, ceci est possible parce qu'on construit cette viscoélasticité pendant le pétrissage, le mix. Qu'est-ce qui se passe? Et bien d'abord, l'eau, elle va se mélanger aux protéines qui se déploient, se deviennent très très flexibles. Et après, l'énergie de l'agitation, l'oxygène de l'air qui est incorporé quand même, elle va masquer des réactions biochimiques. Et là, ces protéines, elles vont se réorganiser ensemble, créer des ponts disulfures, ok,
que c'est des ponts qui contiennent du soufre ici, et on crée un réseau complexe qu'on appelle le réseau du gluten. On peut voir ça aussi dans ces autres photos. Vous voyez ici, en début de pétrissage, des petits agrégats de protéines. Et au fur et à mesure qu'on pétrit, qu'on malaxe, ces fibrilles des protéines, elles se libèrent et elles s'organisent ensemble. C'est aussi très, très clair ici dans la photo. Donc ceci est le réseau de gluten. Et il est fondamental parce qu'il va nous permettre de piéger les bulles qui vont se développer lors de la fermentation. Ok ? Comme un chewing-gum. Donc regardez ici, ces belles photos sont faites en microscopie confocale, c'est une technique particulière que nous avons dans nos laboratoires. Vous avez la petite bulle d'air en noir, le réseau des protéines en vert et la matière grasse, le beurre dans notre cas, tout autour précisément de ces bulles. Okay, donc la matière grasse, elle va se mettre autour des bulles. Et c'est là le point de départ de notre levée. Pourquoi ? Parce que pendant la fermentation, eh bien, il y a l'anhydride carbonique qui se génère et qui va grossir ces bulles, elle va les gonfler, ces bulles. Gonfler, jusqu'au moment de la cuisson où, bien sûr, les gaz vont se dilater un peu plus, s'expandre par le sous-effet de la chaleur, et après, ça reste figé dans la structure du dessert. Et voilà, nous avons créé une magnifique éponge. Une magnifique éponge qui est capable donc de boire une quantité très importante de sirop et de liqueur et d'exploiter ce moelleux à souhait. Donc parlons maintenant un peu plus de cette liqueur. Encore une fois, au principe, ce fut le madère. Il y a d'autres sources aussi, Malaga, Tokaj. Mais à Versailles, on utilisait le rhum en provenance des Antilles. Et à Naples, il y a un rhum très particulier, c'est le rhum Fantasia. Pour les Français, je veux dire que ce rhum, c'est un distillat créé exprès pour aromatiser les gâteaux. Donc il a un taux d'alcool qui est très très faible. Donc le résultat, c'est que le baba napolitain, il est beaucoup moins fort en liqueur, en goût de liqueur, que le baba français. Par contre, ce dernier-là, eh bien, il risque de vous faire tourner la tête après dégustation. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et plus récemment, nous avons vu apparaître le baba al limoncello. Donc cette liqueur citronnée, c'est un mariage parfait pour le baba parce que son goût frais, espéridé, elle contrebalance parfaitement le goût sucré du sirop du baba. Donc ça, c'est très important et très réussi. Donc je vous propose de partir en terre de limoncello pour en connaître un peu plus sur ses propriétés gustatives et son histoire aussi. Ok, donc le limoncello, c'est un gâteau, un liqueur qui conserve très froid à la fin des repas. Et la naissance, donc il est né probablement ici, dans la côte entre Naples et Salerne, mais assez récemment, apparemment, dans le XXe siècle. Et dans cette région où l'on cultive des citrons depuis l'Antiquité, au moins après le IIe siècle après Jésus-Christ. Et bien aujourd'hui, on y produit des citrons d'exception. Hein? Par exemple, le Sfusato d'Amalfi, il Femminino di Sorrento, qui sont deux IGP, donc indications géographiques protégées de l'Italie. On en a six en Italie, hein, sur les sept européennes. Okay? Et ces citrons, ils ont une peau très épaisse, donc parfaite pour le citron. Pourquoi ? Parce que l'étape clé de cette de la fabrication de limoncello est la macération des écorces de citron. Qu'est-ce qui se passe dans la macération ? Nous allons pouvoir extraire les huiles essentielles qui s'y trouvent dans les glandes huileuses, ici dans le flavédo. Le flavédo, c'est la partie jaune de la peau. Okay ? Et ces huiles essentielles sont très riches en composés chimiques. N'ayez pas peur, j'ai montré juste une petite structure chimique dans des molécules les plus importantes. Okay ? Et ce graphique ici, il vous montre dans un coup d'œil les différences de composition des différents citrons, de citrus. Donc le citron,
le cédrat, l'orange douce, etc. Et ces différences-là expliquent notamment la différence des parfums des agrumes. Okay? Parce que parmi ces molécules-là, il y a des centaines de molécules d'arômes, des molécules odorantes. Donc, on va en voir quelques-unes d'entre elles. Mais le premier, c'est le limonène, c'est le plus abondant ici. Et après, donc, et dans ce tableau-là, vous avez aussi la concentration dans une huile essentielle pure comparée à la composition d'un limoncello artigianale et artisanale et de trois limoncelli du commerce. Donc, le limonène, il a une odeur d'agrume, mais ce n'est pas lui qui donne la typicité à limoncello et à l'huile essentielle de citron. Il faut aller chercher dans des molécules qui sont moins abondantes, comme le néral et le géranial, odeur d'écorce de citron, et l'olfapinène, une odeur de pain. Hein? C'est des molécules que même utilisées en une fine quantité sont capables d'être reconnaissables au nez. Imaginez que quelques gouttes de ces molécules-là, elle est capable d'aromatiser une piscine olympique entière. Puissant. Voilà. Mais les écorces de citron, elles ont plein d'autres bienfaits. On connaît depuis l'Antiquité les propriétés antiseptiques, toniques, digestives, et aujourd'hui les chimistes, ils ont pu identifier les molécules responsables de ces propriétés. Hein. La famille, au sein de la famille des flavones, par exemple, on trouve l'hespéridine et la naringine qui sont les composés amers par excellence des écorces de citron. Ils sont très importants pour les propriétés apéritives. Okay? Ces propriétés, ils ont été utilisées depuis longtemps, surtout dans ces régions, dans cette région toute proche de la Scuola Medica Salernitana qui a été citée tout à l'heure. Hein? Cette école, je voudrais le souligner, elle est née de l'intégration de tout le savoir d'Occident et d'Orient, Hippocrate, Galen, Avicenne, c'est-à-dire le savoir arabique du temps. Et ils étaient, les médecins salernitains, des experts connaisseurs des extraits botaniques. Donc ils les utilisaient pour leur thérapie. Et ce savoir, au fur et à mesure des siècles, il a été transmis dans les couvents, les officines des herboristes et dans les universités aussi. Mais encore là, nos chemins se croisent, le chemin de la France et de l'Italie se croisent, parce qu'au XIXe siècle, Joachim Murat, le roi de Naples à l'époque, eh bien, il décréta la fermeture de l'école salernitaine et des ordres monastiques. Et donc ce savoir qui était resté confidentiel, il pouva un peu aller davantage dans la société civile. Donc cette petite histoire me permet d'imaginer pourquoi les Italiens ils sont maîtres dans la confection des liquori, des aperitivi, des amari, et aussi pourquoi ils adorent le goût de la mer. Amaro, amaretto, amarognolo, amarone, on a plein de manières d'apprécier les immenses nuances. Hein, ça c'était très très bien raconté par Emmanuel Géraud. Donc, cette préférence de goût, elle nous différencie, nous les Italiens, beaucoup des Français, que eux, ils sont plus familiers du goût sucré et du goût acide, hein, parce qu'ils sont des experts en fermentation. Bien sûr, c'est une histoire de préférence alimentaire, des préférences gustatives qui se connaissent et se construisent depuis le plus jeune âge. Hein. Donc, vous avez sûrement entendu parler de la Madeleine de Proust. Hmm? C'est ce dessert qui est capable de déclencher chez Swann des émotions et des souvenirs enfouis de l'enfance. Eh bien, ceci, pour le français, c'est le symbole du pouvoir évocateur du goût et de ses liens intimes avec la mémoire et les émotions, et donc de l'apprentissage, de l'expérience. Okay? Et ce pouvoir, elle est confirmée par les neurosciences aujourd'hui. Regardez, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, quelle explosion quand on va déguster deux simples molécules chimiques. Je n'ose pas imaginer ce qui
passerait dans la tête de Proust s'il allait pouvoir déguster un magnifique Baba Limoncello. Sûrement une explosion, un feu d'artifice. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère vous avoir convaincu qu'un bon Baba, c'est du sérieux. Marisa Larito le disait, il Baba est una cosa seria. Et je vous dis au revoir et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette très belle intervention qui a mis vraiment la loupe sur le Baba à l'italienne et à la française, avec une attention particulière bien entendu pour Naples, qui est, ça je l'ignorais franchement, qui est la ville d'origine de Barbara Rega. Et donc on va écouter maintenant Denis Fayard, chercheur au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines, et lequel va nous entretenir sur cafés et restaurants italiens à Paris au 19e siècle. En effet, je crois qu'il y a eu une évolution profonde. Si je me souviens des premières fois où je venais à Paris dans les années, disons, 70, il y avait beaucoup moins de restaurants italiens et pour la plupart, c'était des restaurants faisant référence à la cuisine régionale de la dame qui était dans la cuisine. Il n'y avait pas de chef, sauf certaines exceptions assez rares. C'était probablement l'épouse d'un ouvrier qui proposait ses plats régionaux. La présence gastronomique italienne dans les dernières décennies a beaucoup augmenté et aussi a consolidé et amélioré progressivement sa qualité. Mais écoutons donc ce regard sur les cafés et restaurants italiens à Paris au 19e. Merci beaucoup. Ringrazio l'Accademia Culinaria Italiana e la signora Polto per l'invitazione che mi fa molto piacere di essere qui con voi. E je continue en français, même si j'ai apprécié les deux premières communications en italien, mais je suis beaucoup plus à l'aise dans ma langue natale. Alors effectivement, les restaurants italiens, ça paraît peut-être un sujet, café-restaurant, ça paraît peut-être un sujet classique, mais l'histoire n'est pas si bien connue que cela. Ce qu'on connaît assez bien, parce que dans le détail c'est assez compliqué, c'est l'histoire des premiers cafés parisiens, dont celui que vous voyez derrière moi, qui existe encore, même s'il n'est plus spécialement italien. Le fameux café fondé par Jacopo Procopio, qui était un Sicilien à la fin du XVIIe siècle, donc le café-restaurant Procope aujourd'hui, près de l'ancien marché, bien qu'il existe encore, mais là je parle de l'ancien marché Saint-Germain, très important parce que sur cet ancien marché Saint-Germain à la fin du XVIIe siècle, on y vendait du café, on y buvait des cafés, mais attention, debout à la tasse. Et c'était des Arméniens qui vendaient ce café. Procopio, qui venait d'immigrer en France, s'est inséré dans ce milieu arménien, il a fini par gagner un peu d'argent, et il a ouvert un commerce de café glacé, qui est devenu donc ce restaurant au XVIIIe siècle, et qui est très 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 célèbre, qui est très important en France, vous le savez tous, pour la Révolution française, parce que c'est là que venaient nos fameux intellectuels, qu'on n'appelait pas encore sous ce vocable, qu'on appelait plutôt les philosophes des Lumières, Voltaire, Rousseau, Diderot, etc., etc. Et on dit, et c'est en partie vrai, hein, qu'une bonne partie des idées de la Révolution ont été discutées au Café Procope. Alors, ce Café Procope est très... c'est à peu près 1686, hein, la date de fondation. Il est très précoce, parce que même si on regarde la chronologie des grands cafés italiens, par exemple le Grand Café de Venise,
qui, je ne voudrais pas créer des incidents diplomatiques avec des cafés qui sont moins connus, mais enfin, quel est le café de Venise qui est très emblématique pour vous ? Florian. Hein. Alors le Florian, il est une quarantaine, cinquantaine d'années après le Procope. Donc ce n'est pas vraiment le modèle hein, du Procope. Procope était vraiment un pionnier. Alors ce n'est pas du tout pour mettre en valeur Paris, mais Paris est une ville très particulière où il y a une fusion culturelle, gastronomique, scientifique, qui explique que même des étrangers peuvent réussir dans cette ville à partir du moment où ils ont une idée qui marche. Et là, le café devient très très populaire à Paris. Voilà une vue aujourd'hui du café Procope. Également très connu qu'un peu postérieur, fin 18e, Révolution française, la fondation sur les grands boulevards, le boulevard qui va devenir le boulevard des Italiens, parce qu'il y a le théâtre italien, enfin, qui est déjà à l'époque, mais l'appellation est un peu compliquée, enfin bon, c'est le boulevard des Italiens, le fameux café Tortoni, qui est fondé également par un Napolitain, vous voyez que Naples est vraiment à l'honneur cet après-midi, qui s'appelait Velloni, et il prend le nom de Tortoni, qui était apparemment, parce que l'histoire n'est pas très sûre, en histoire, vous savez qu'il nous faut des archives. Donc là, c'est un petit peu douteux, mais enfin, il semblerait qu'un des garçons de café sous le Premier Empire, sous Napoléon, s'appelait Tortoni, donc il change de nom et il devient, mais ce n'est pas le nom du fondateur. Et je pense que vous le savez, ce café Tortoni parisien est enfin, le modèle parisien, pas spécialement italien, franco-italien, on pourrait dire, et sème un peu partout dans le monde, puisqu'on va retrouver en Argentine, enfin, vous savez qu'il y a des cafés Tortoni un peu partout. On n'imite pas donc spécialement l'Italie, hein, en prenant des cafés Tortoni, on imite plutôt Paris, mais Paris qui s'est également inspiré des glaciers et des cafetés italiens. Voilà une vue de ce café Tortoni qui déborde sur le trottoir parisien. Là, on est à peu près au milieu du 19e siècle. Oui, donc ça, c'est assez connu. Une espèce de fusion culturelle entre donc un produit qui n'est pas italien, qui vient d'Arabie, on sait bien, même d'Éthiopie, le café, mais qui passe par l'Italie, qui passe par les Provinces-Unies, qui passe par Rotterdam, et qui devient en quelque sorte parisien. Même chose pour les glaces, les premiers glaciers sont vraiment des Italiens, il n'y en avait quasiment pas à Paris, pas de boutique, donc influence italienne incontestable. Oui, mais dans la deuxième moitié du XIXe siècle, également assez connue, on a cette fois-ci, venant d'Italie, au niveau numérique, une immigration de masse. Ça coïncide à peu près d'ailleurs avec l'unité italienne. Là, on peut dire que c'est une coïncidence, puisque l'immigration de masse est liée à la révolution industrielle et au progrès de la médecine. De plus en plus d'enfants survivent, une surpopulation en Italie, enfin c'est bien connu, hein, l'América, l'Argentine, mais aussi la France. Et donc, il y a une immigration en grande partie populaire, qui va non plus être dans les quartiers comme les grands boulevards, où il y avait 2000, 3000 Italiens, plutôt la bourgeoisie, je vais en parler tout de suite après, là, mais plutôt donc, on le sait bien, dans le 11e arrondissement, après la Bastille, la rue de Montreuil, Montreuil-sous-Bois, donc la banlieue Est, et ces Italiens vont ouvrir des cafés, des petits restaurants, mais aussi des boutiques de produits italiens, mais qui pendant très 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 longtemps vont être destinés à une population d'origine italienne. Les Français, jusqu'à l'entre-deux-guerres et même peut-être après, n'y vont quasiment pas ou exceptionnellement. Donc ça n'a pas joué, dans un premier temps, un rôle très important dans la fusion gastronomique franco-italienne. Bien entendu, plus il y a de commerce italien, plus les Français commencent à être curieux là, du côté du 11e de la Bastille de Montreuil, plus on a aussi des ouvriers français qui poussent la porte un jour ou l'autre du café italien. Mais ça se fait très lentement. Et donc ça, c'est assez connu, c'est pas là-dessus. Donc il y a d'autres images. Ça, donc, on est à Montreuil, c'est le restaurant Tozzi, c'est l'entre-deux-guerres. Mais donc ce sur quoi je vais surtout insister, ce sont les autres restaurants qui se fondent dans la deuxième moitié du 19e et qui sont nettement moins connus. Là, il y a un élément, les historiens, ils sont obligés de faire du contexte historique, parce que nous, on vit en 2019, donc on a des idées, presque des préjugés, et pour les restaurants italiens, on a l'impression qu'ils ont toujours été là. Ils sont tellement nombreux. Vous allez à Berlin aujourd'hui, il y a des restaurants italiens partout à Berlin. Or, les restaurants italiens, et surtout les pizzerias italiennes, sont relativement récents, hein, au point de vue, peut-être, leur très grande diffusion. C'est pas avant les années 60-70.
Il y a un très très bon livre hein, qui a été écrit là-dessus, de Sylvie Sanchez. Donc, si vous êtes curieux hein, pour l'expansion des pâtes italiennes et surtout de la pizza, hein, c'est un livre sur la pizza, je ne sais plus si ça s'appelle pas Pizza Connection, quelque chose comme ça. Le contexte dont je vais vous parler, c'est que la cuisine italienne a beaucoup de difficultés, mais elle n'est pas la seule à s'imposer en France dans la deuxième moitié du 19e. Pourquoi ? Ben, pour deux raisons. D'une part, parce que la France, pour des raisons Louis XIViennes, d'expansion, on va dire, de la gastronomie française de manière générale, depuis au moins deux siècles, donc quand on est ici en 1850, s'est habituée à se présenter comme la meilleure cuisine du monde. Donc c'est un inconvénient pour toutes les autres, c'est que la population française ne va pas trop voir ce que mangent les autres Européens, même les pays voisins comme l'Italie. On est tellement habitué à la nourriture nationale, et puis comme l'a très bien expliqué Barbara Rega, il y a également des problèmes de goût, de différence de goût. Vous voyez ? Donc la cuisine italienne va avoir du mal. Si on regarde par exemple les expositions universelles, il y en a beaucoup à Paris, vous savez, il y en a une en 1855, 67, 1889, la Tour Eiffel, 1900. Il y a beaucoup de restaurants étrangers, mais il n'y a pas que des restaurants étrangers. Ceux qui font vraiment beaucoup de succès dans ces expositions universelles, ce sont par exemple les restaurants régionaux français, comme ici, celui-ci, l'Alsace, restaurant Kamerzel qui a été reconstitué au pied de la Tour Eiffel en 1900. Énorme surprise, les Français sont plutôt réputés pour détester la cuisine allemande ou germanique. Un des restaurants qui a le plus de succès, même peut-être celui qui a le plus de succès en 1900, c'est le restaurant viennois, cuisine germanique. Pas du tout le restaurant italien, qui est très très discret en 1900. À tel point, vous voyez, une preuve, que le Spiess, le viennois qui avait ouvert ce restaurant temporaire pendant 6 mois de l'exposition universelle de 1900, tente l'aventure dans Paris et il ouvre un restaurant fixe sur les grands boulevards. Ça va d'ailleurs marcher assez bien pendant quelques années. Et même des cuisines beaucoup plus exotiques. Vous voyez, ce restaurant chinois, il y a un début, tout début hein, de la cuisine chinoise, mais qui n'est pas du tout étendue et diffusée comme aujourd'hui. Et puis, n'oublions pas que la France a des colonies. Avec, vous voyez, aujourd'hui, c'est ce genre d'images qui sont très contestées, hein, bien entendu. Mais bon, voilà, hein, c'est historique. Mais on peut y déguster de la grande bière de Vittel. Vous voyez, c'est pas forcément des boissons africaines. Alors, dans ce livre, ce qui est un colloque, un très 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 bon colloque sur les petites Italies dans le monde, que vous pouvez en trouver entièrement libre d'accès sur Internet, hein, dans Open Edition. Enfin, si vous tapez ce nom, Marie-Claude Blanchard-Déard, et surtout donc un article qui m'intéresse beaucoup, Michel Dreyfus, donc l'auteur, je vais faire que le résumé rapidement, a fait un article sur la petite Italie, entre guillemets, des grands boulevards. Autrement dit, des notables italiens qui, depuis la Révolution française, l'Empire, la Monarchie de Juillet, le Second Empire, vivent dans ce centre de Paris, là où il y a les théâtres italiens, là où il y a la bourse aussi, parce qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires parmi eux. Et il y a des restaurants, mais vous voyez déjà qu'il y a une différence par rapport aux autres. Là, c'est très intéressant pour la fusion franco-italienne, parce qu'eux-mêmes se proclament, se présentent comme franco-italiens, comme vous l'avez bien dit, hein, M. Canonica, jusque dans les années 1970, peut-être, hein, on avait encore dans ce genre de restaurant, on avait l'habitude de servir un plat, voire deux plats français. C'est le cas du plus connu d'entre eux, vous voyez qu'il est assez grand, il est tout près de l'Opéra Comique, qui est donc quand même aussi des origines culturelles italiennes, c'est le moins qu'on puisse dire, Paul Cardier, vous voyez, assez grand, qui fait l'angle de la rue Favart, et qui, vous voyez, dans les années 30, là, on est un peu plus loin que la guerre 14-18, les gens viennent en voiture, vous voyez qu'une entrée assez, assez cossue, hein, c'est un restaurant quand même qui également va jusqu'à l'étage, qui est très très grand, intéressant pour les historiens de l'alimentation comme moi, parce qu'on a également tout un secteur du restaurant qui sert à l'approvisionnement, toute une partie des produits vient directement d'Italie. Donc là, on est bien, pour le coup, dans la fusion gastronomique franco-italienne. Alors voilà, l'intérieur, oui, c'est très chic, hein, très bourgeois, les grands boulevards, à cette époque-là, c'est vraiment le centre culturel et bourgeois de Paris. Vous voyez, ce genre de restaurant, donc ça, c'est le rez-de-chaussée, là, avec très très haut de plafond, pas très très loin d'être un petit peu, vous voyez, avec un plafond à caisson. C'est pas Versailles, mais enfin, il y a un petit côté, quand même, aristocratique.
Et puis ce qui est intéressant, c'est aussi les cuisines qui sont gigantesques, très modernes. Là, on est dans les années 25-30. Voilà. Et puis, moderne aussi pour... c'est important dans le restaurant, hein, pour laver la vaisselle. Voilà, donc il y a une mécanisation. C'est donc pas intéressant. Et puis donc, il y a cette bourgeoisie, alors, française et italienne, qui vient. Là, c'est sans doute des Françaises, sur cette affiche publicitaire. Quand on, si on faisait un zoom sur l'affiche, on verrait donc les plats qui changent chaque jour. Et il y a systématiquement un plat de pâtes, hein, qui change. Et donc la clientèle française, qui est Silvano Serventi, hein, qui est vraiment le spécialiste, ce n'est pas moi, hein, des pâtes alimentaires, de l'histoire des pâtes alimentaires, on voit ici, elles étaient très très peu connues en France, hein, jusqu'en 1850. Là, il y a une diffusion beaucoup beaucoup plus forte, d'autant plus qu'il y a une industrialisation. Mais là, c'est le côté haute cuisine, restaurant. On vient de parler des amari. Si on faisait un zoom là sur le bar de chez Boccardi, on verrait, hein, ces marques italiennes, ces différentes liqueurs, etc. Et là, il y a des clients français. Hein. Il y a vraiment des clients français. Ce n'est pas comme les petites boutiques, les petits cafés-restaurants du côté de Montreuil, jusqu'en tout cas jusqu'en 1930. Boccardi est tellement connu qu'il fait de la publicité, vous voyez. Dans les années 20 et 30, c'est la grande foire gastronomique de Dijon qui est nouvelle, mais où il y a des dizaines de milliers de visiteurs. Donc on peut gagner une réduction quand on est visiteur à Dijon chez Boccardi. C'est pas le seul, toujours dans les grands boulevards, l'autre qui est très très connu, c'est Arrigoni. Et là, je vous montre un petit clin d'œil d'historien. Il n'y a pas seulement les photos qui nous servent, il y a toutes les archives. Mais vous voyez, là, je me contente. Vous voyez, en bas à droite, la publicité pour Arrigoni, mais vous voyez qu'il y a la Banque de Rome, il y a pour lutter contre les hernies, il y a le chocolat Meynier. Mais il y a une présence donc quand même italienne, hein, y compris des restaurants. Ça, c'est un journal de 1922. Il y a celui-ci donc, qui m'avait servi, hein, c'est le visuel qui m'avait beaucoup plu. Romano, qui est tout près des grands boulevards, qui est près de l'Opéra Comique lui aussi, qui a une bonne popularité, hein, dans les années 30. La preuve, vous voyez, le Botin. Il est marqué en... Ce n'est pas les plus gros caractères, vous voyez que le restaurant du jardin d'acclimatation qui est en dessous a encore des plus gros caractères, mais par rapport au caractère normal, c'est payant le Botin. Hein. Donc il faut payer pour avoir des plus gros caractères. Romano est assez bien coté. Mais il y en a d'autres, il n'y a pas seulement les grands boulevards dont parle Michel Dreyfus. Et moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement le côté social, ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, c'est cette fusion gastronomique culturelle franco-italienne. Ce n'est pas l'intégration de la bourgeoisie italienne dans la bourgeoisie française, hein, que décrit Michel Dreyfus, ça c'est son article, mais je pense qu'on peut étudier les restaurants d'une autre manière. Donc c'est près de la gare de Lyon, ça va surprendre personne, hein, on voit pourquoi. Les Bretons, c'est plutôt autour de Montparnasse, la gare Montparnasse. Les Italiens, vous avez bien sûr un noyau, et puis plus loin, du côté de Montreuil. Voilà, ce restaurant Ferrero, hein, j'ai trouvé beaucoup de textes sur Ferrero, j'ai pas le temps de vous en lire aujourd'hui, c'est dommage, mais souvent très positif. Il y a toujours parfois des textes un peu moqueurs des Français, parce qu'encore une fois, on a la meilleure cuisine du monde, l'Italie on sait pas trop ce que c'est, il y a des régions, c'est bizarre. Bon, on peut aussi trouver des textes un peu comiques aujourd'hui, il faut bien le dire, et pas trop à la gloire des Français. Mais vous avez aussi des restaurants très modestes, qui sont pour une clientèle franco-italienne, pas comme les restaurants de banlieue de Montreuil. Vous voyez, ici, en plein centre de Paris, plutôt du côté des Halles. Les Halles, c'est important, bien sûr, pour l'approvisionnement. Celui que j'avais choisi, mais en l'agrandissant, ce petit restaurant franco-italien, très typique du 19e siècle, parce que les restaurants au 19e partent dans les étages. Je vais bientôt arriver à ma conclusion. Alors, d'autres restaurants italiens, ça c'est dans le nord de Paris, pour vous montrer qu'il y en a un peu partout. Et puis, alors, des restaurants assez chics, hein, bien sûr, du côté toujours des grands boulevards, ou sur la carte du restaurant, c'est plus seulement franco-italien. Vous voyez qu'on va plutôt de plus en plus, parce qu'on connaît aujourd'hui, vers d'une certaine manière, une italianisation du restaurant italien, qui n'était pas 100% italien jusque-là. Alors vous voyez, ici on est rue des Renautes, dans le 17e. Là c'est vraiment les beaux quartiers, près des Champs-Élysées. Mais également des beaux restaurants maintenant, même en banlieue, vous voyez dans le 93, Montfermeil, qui aujourd'hui est une banlieue, c'est des cités, c'est, ça n'a pas très bonne presse. Ben oui, mais vous pouvez avoir des restaurants italiens dans les années 30 pour faire des noces et des banquets. Pour la conclusion et pour la fusion, là je n'ai pas vraiment de document très spectaculaire à vous montrer, très 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 tôt, hein, les Italiens de Paris ont fondé des clubs gastronomiques.
En particulier, je le lis parce que pour mémoriser c'est un peu plus difficile pour moi, en 1883, alors qu'il n'y a pas encore beaucoup de clubs gastronomiques, le Club des 100 c'est plus tard, hein, Club des 100, grand club gastronomique français, là on est 20 ans avant, l'association Buon Temponi, donc des Italiens gastronomes, font des réunions quasiment tous les 15 jours, mais des réunions suivies d'un banquet, et le gage, enfin on va dire ça pour rire, le gage, enfin, ce qui est donné à une personne chaque fois, tous les 15 jours, c'est de préparer un plat italien pour les autres. Oui, et ça va durer pendant des années, et dans cette société, bien sûr, il y a plutôt des Italiens, mais il y a aussi des Français. Donc il va y avoir une accoutumance, on va dire, une appropriation aussi des Français qui sont dans cette association. Et puis les livres aussi. Le nombre de livres de cuisine franco-italienne publiés à Paris fin 19e, début 20e, et donc avant 14-18, hein, on va dire à la belle époque, comme pourtant deux pâtissiers français, hein, dont les noms ne vous diront rien, mais j'ai une doctorante qui va soutenir hein, sa thèse le 4 juillet sur la pâtisserie française, qui promet d'être une très belle thèse, hein. Je ne dis pas ça parce que c'est ma doctorante, ça s'appelle ce livre « Le glacier classique artistique en France, en Italie », Pierre Lacam, Antoine Charabot, donc deux Français, mais avec énormément de références à l'Italie. Alors que jusque-là, quand on lisait bien un livre de cuisine français-français, écrit par des Français, bon, bien sûr, on parlait un petit peu de l'Italie, mais toujours avec ce sentiment, vous voyez, de distance, de supériorité. Il faut bien dire ce qu'il y a, hein, faut appeler un chat un chat. Voilà. Et donc, ces restaurants parisiens, donc ceux plutôt huppés hein, du boulevard Montmartre, et puis ceux qui se diffusent un peu dans tous les quartiers de Paris, et puis même donc ceux de la banlieue, des Italiens beaucoup plus populaires, qui peu à peu attirent aussi les Français, jouent un rôle fondamental, je pense, dans cette transmission gastronomique franco-italienne, bien avant la généralisation des pizzerias et des restaurants proprement italiens, qu'on connaît pas spécialement en France ou à Paris, mais qui est un phénomène à peu près international, à partir des années 60 ou 70. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention. Denis Saillard a souligné, entre autres, un aspect intéressant de la psychologie collective des Français, c'est-à-dire ce sentiment de supériorité, qui d'ailleurs n'était pas limité aux aspects gastronomiques, mais qui concernait aussi beaucoup d'autres aspects de la vie quotidienne. Et il faut dire que la France a joué un rôle central et par exemple la langue française avait une importance universelle. C'était pour les Italiens le premier passeport de communication internationale. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Je dis dommage, mais de toute manière c'est la vérité. C'est la vérité. Par ailleurs, il faut considérer que les Italiens aussi sont plutôt fiers de leur cuisine. Et ce n'est pas par hasard que le nombre des restaurants étrangers en Italie est nettement moindre qu'en France. Ce qui veut dire que ce n'est pas un phénomène purement de provincialisme. C'est que les Italiens considèrent que leur cuisine, et notamment leur cuisine régionale dont on a parlé dans certaines interventions précédentes, considère que ces cuisines sont meilleures. Il y a eu une tentative à Rome d'installer un restaurant français de luxe près de la place d'Espagne et finalement cela n'a pas pris, n'a pas obtenu le consensus les promoteurs de cette initiative s'attendaient. Donc là aussi, c'est un autre aspect de la réciprocité franco-italienne, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les Italiens aussi sont fiers de leur gastronomie. Et donc, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la diffusion de la cuisine italienne dans le monde est énormément supérieure. Il n'y a pas de comparaison possible. Bon, écoutons maintenant Silvano Serventi, que je connais depuis plusieurs années, qui est vraiment un ami à moi. C'est un grand spécialiste d'histoire
de l'alimentation. Il a écrit des textes qui sont de véritables classiques concernant la cuisine italienne et française. Et voilà, donc lui, il va s'occuper du sujet central de cet après-midi, donc les rapports entre les deux cultures gastronomiques italiennes et françaises dans l'histoire, avec un grand H, donc dans l'histoire. J'ai appelé mon intervention « Rapport historique ambivalent ». Ambivalent parce que c'est à la fois des rapports de rivalité, de concurrence, et ce sont aussi des rapports de pénétration et d'influence réciproque. Donc, voilà. Alors, moi, je vais vous parler en historien. Alors, l'historien, il ne va pas vous dire quelle est la meilleure cuisine, si c'est la cuisine française ou la cuisine italienne. Je vais simplement vous dire, à telle époque, telle cuisine est plus réputée que l'autre. Elle est plus internationale que l'autre. Elle est plus appréciée par la haute classe que l'autre. Parce que je vais surtout m'intéresser à la haute cuisine. La haute cuisine, pourquoi ? Parce que c'est le seul domaine où nous avons des documents. Voilà. Pour parler de la cuisine française et italienne, je suis parti d'une anecdote qu'on m'a racontée. Je ne sais pas si c'est vrai, mais comme on dit en italien, c'est non è vero e ben trovato. C'est un couple d'Italiens qui voyage aux États-Unis. Et le serveur lui dit, vous êtes italien. Et comment on dit pizza en italien ? Alors, c'est pour vous dire que pour cet Américain pour lui, la pizza était américaine. Et ça, c'est la grande réussite de la pizza. Je veux dire, quand un pays adopte un plat et qu'il le fait sien, c'est vraiment le résultat d'un très grand succès. Alors, il y a l'histoire de la pizza naturellement qui est mondialement connue, etc. Mais par exemple, dans les livres de recettes italiens, dans les livres régionaux italiens, moi j'ai trouvé des recettes de béchamel, des recettes de la sauce mayonnaise, et qui étaient données comme des spécialités locales. Et donc ça aussi c'est un grand succès, alors que ce sont à l'origine des recettes françaises, hein, puisque la béchamel, nous savons qui la propose le premier, c'est le Pierre Lavarenne, le cuisinier français en 1651, et c'est le cuisinier qui va donner le départ du grand essor de la cuisine française à travers le monde. Pour la sauce mayonnaise, c'est un peu différent, mais on trouve dans les livres français, elle apparaît sous l'appellation bayonnaise, parce que ce serait une spécialité de Bayonne, aussi marronnaise et mayonnaise, bon voilà, on la trouve. Et donc, dans les livres italiens plus tardifs, on trouve ces recettes en tant que spécialité locale. Par exemple, j'avais lu, il n'y a pas si longtemps, j'avais regardé un livre sur la Maremme, et il y avait effectivement la sauce mayonnaise. Donc j'étais assez agréablement surpris de voir que les Toscans de Maremme se sont appropriés cette sauce à l'origine française. L'histoire de l'alimentation, en réalité, on pourrait la lire comme une perpétuelle quête de nouveaux produits et qui sont importés, qui sont découverts dans des contrées lointaines, qui sont importés et qui sont acclimatés et puis intégrés à la gastronomie et à la diète locale. Si vous regardez, par exemple, le riz, les agrumes, la canne à sucre, à l'origine, c'était des produits asiatiques, et puis ils ont été importés par les Arabes dans le bassin méditerranéen, ils ont été acclimatés, et puis maintenant, si vous pensez aussi aux produits américains, par exemple la dinde, la tomate, la pomme de terre, le poivron, la courgette, le maïs, etc., tout ça, ce sont des choses qui ont été intégrées à la diète locale, à la diète italienne, à la diète française, etc. Pensez à la cuisine italienne, même si on l'observe dans sa richesse régionale, sans la tomate, sans le poivron, sans le piment, par exemple. Hein. Vous l'appauvrissez considérablement. Alors, la cuisine française, j'ai trouvé les pommes de terre, mais j'aurais pu trouver d'autres exemples.
Alors, la gastronomie française, que serait-elle sans les glaces et les crèmes glacées qui ont été empruntées aux Italiens du XVIe et XVIIe siècle, hein? La pizza est sans doute la préparation la plus consommée dans le monde, hein? Mais bon nombre de ces amateurs, de ceux qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont oublié que c'est au départ une spécialité de Naples, une spécialité du sud de l'Italie. Donc, à l'heure actuelle, vous avez la salade de tomates, mozzarella, basilic, dite caprese, hein, qui est servie même dans les restaurants français, même dans les restaurants allemands, dans les restaurants où vous allez au Danemark, où on vous servira peut-être une caprese, et ce n'est pas nécessairement un restaurant italien. Tout ça, ça s'est diffusé dans le monde. Et à l'heure actuelle, les grands chefs, les grands cuisiniers, ils utilisent la roquette, ils utilisent le vinaigre balsamique, ils utilisent le lardo di colonnata, la burrata. Ce sont devenus des ingrédients absolument usuels pour la haute cuisine, et on l'intègre dans la haute cuisine française comme on peut l'intégrer dans la haute cuisine anglaise, s'il y en a une, bon, je ne vais pas mettre en doute, ou américaine. Hein, donc, tout cela fait qu'il y a une sorte de culture gastronomique et culinaire internationale à l'heure actuelle, hein, parce que les produits voyagent beaucoup plus qu'avant, hein, les idées, etc., avec les moyens de communication actuels, c'est beaucoup plus simple. Et puis, à l'heure actuelle, il y a une grande nouveauté dans la haute cuisine internationale, c'est que c'est une cuisine d'auteur. Une cuisine signature, disent les grands chefs. Hein, on va chez Ducasse parce qu'on veut goûter à la cuisine de Ducasse. On va chez le Bottura à Modena. C'est pour goûter la cuisine de Bottura. C'est pas spécialement pour goûter de la cuisine italienne. Si on veut goûter de la cuisine italienne, on va pas chez Bottura. Hein. On va dans une trattoria. Il y en a de très très bonnes et très merveilleuse, aussi bien à Modena qu'à Parme, qu'à Bologne et que dans d'autres villes d'Italie. Donc, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que la cuisine, et ce n'est pas simplement, si elle voyage, ce n'est pas simplement par les reines qu'elle est connue, ni par les grands bonhommes, les grands messieurs. Elle voyage parce que les idées voyagent. Les idées voyagent, les recettes voyagent. Les procédés sont empruntés les uns aux autres. Hein. Et moi, je n'avais trouvé rien de plus ridicule que quand il y avait un petit groupe de grands chefs français qui voulaient breveter leurs recettes. Je tairai leur nom par pitié pour eux, parce que c'est tellement ridicule. On ne brevette pas une recette, parce que si on change un petit ingrédient, on fait une autre recette. Donc, vouloir breveter des recettes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur avait pris. Alors, aujourd'hui, donc, la cuisine voyage, mais ce n'est pas que d'aujourd'hui. Les emprunts, les pénétrations, ça a toujours pratiquement existé. Hein. Si vous prenez, par exemple, la France et l'Italie, ils ont toujours été en compétition, et ils ont été en compétition pour être les leaders de la gastronomie européenne. Ça, c'est dès le XVIe siècle, on voit cela. Il y a une sorte de concurrence entre la cuisine italienne et la cuisine française. Et il faut dire qu'au XVIe siècle, eh bien, la cuisine française n'existe pas par rapport à la cuisine italienne, parce que la cuisine italienne est la plus réputée à travers l'Europe. Hein, vous devez penser une chose, c'est que à Rome, c'est Rome qui est la capitale mondial, non seulement de la chrétienté, mais diplomatique, hein, de cette époque. À Rome, il y a 21 cours cardinalis. Chacune de ces cours, des cardinaux, chacune de ces cours a un faste aussi important, aussi le luxe absolument incroyable que les cours des rois de France ou des rois d'Angleterre. Donc, et puis, sans compter la cour pontificale. Donc,
La cuisine italienne, si je reprends la définition de Massimo Montanari, qui me semble la plus intelligente, c'est que c'est une cuisine, à l'origine, elle a été créée dans les villes. Parce que la société italienne du Moyen-Âge, quand on voit apparaître les premières cuisines européennes, c'est au Moyen-Âge, au XIVe siècle, eh bien, la cuisine italienne, elle est faite, elle est créée dans les villes, parce que ce sont les villes qui ont le pouvoir. Et les villes, en général, elles ont le pouvoir sur le contado, sur le territoire aux alentours. Et donc, les nobles qui ne sont pas forcément au pouvoir dans les villes, surtout en Toscane, mais la haute société qui est au pouvoir, la haute société qui est très prospère, parce que l'Italie, au Moyen-Âge, c'est le pays le plus prospère, je ne dis pas du monde, parce que je ne connais pas ce qui se passait en Asie, etc., mais d'Europe, certainement. Hein. Vous avez des villes comme Venise, comme Gênes, comme Florence, Rome, etc., ce sont des... Il y a une richesse absolument incroyable. D'ailleurs, si les rois de France veulent épouser des roturières florentines, c'est parce que ce sont des familles très, très riches qui vont leur permettre peut-être de faire face à leurs dépenses fastueuses. Donc, et la cuisine italienne, c'est pas, vous n'aurez pas une cuisine unique comme il y aura en France, codifiée, et qui va servir de modèle à tout le reste. C'est un réseau, c'est ce que je reprends le terme de Massimo Montanari, c'est un réseau de savoir-faire, de pratiques et d'usages qui réfère à une même culture gastronomique et alimentaire. Voilà, c'est ça la cuisine italienne. Alors que la cuisine française, elle est d'essence aristocratique. La cuisine française, elle naît à la cour des monarques, des régnants de France, et elle va déjà au Moyen-Âge, parce que il y a le grand chef, le grand cuisinier français qui s'appelle Guillaume Tirel de Taillevent, qui est réputé jusqu'à Sienne. On parle de Guillaume Tirel de Taillevent parce que c'est un cuisinier qui est réputé au-delà de la cour française, et il fait peut-être que si, on ne goûterait pas un seul de ses plats à l'heure actuelle, parce que les goûts ont changé, mais à l'époque, il était très réputé. Et donc, c'est déjà une cuisine de grands chefs, de cuisiniers, de maîtres-queues, à l'époque, on disait. On parlait de maîtres-queues. Alors qu'en Italie, à cette époque, c'est plutôt des cuisiniers, mais des cuisiniers qui sont cuisiniers ou cuisinières qui sont au service des grandes familles riches des grandes villes et qui font une cuisine avec les produits du territoire local. Et ils importent des épices, ils importent des arômes, comme partout, parce que c'est la mode des épices. Parce que, et ils importent. Mais le principal de la cuisine italienne, déjà au Moyen-Âge, et on le retrouve encore à l'heure actuelle, parce que tout à l'heure, le premier intervenant a dit que c'était une cuisine d'ingrédients, surtout de qualité d'ingrédients, eh bien, c'était déjà, à l'origine, c'était déjà la spécificité de la cuisine italienne. Donc, il y a toujours, hein, en fait, à l'heure actuelle, il y a une rivalité entre la cuisine française et la cuisine italienne, mais c'est pourquoi ? Parce que c'est aussi une manière d'exporter, il y a derrière ça, il y a des intérêts économiques énormes. Hein. D'ailleurs, les Italiens exportent beaucoup plus de leur spécialité que les Français. Et c'est bien l'une des raisons pour lesquelles ils sont aussi présents à travers le monde. Mais déjà, à l'époque, la rivalité existait. Elle existait. Au Moyen-Âge, on la perçoit pas bien. Et puis au Moyen-Âge, la cuisine la plus réputée, c'est la cuisine catalane. Parce que tout le monde se met à cuisiner à la manière catalane, en ajoutant un peu de cannelle par-ci, par-là, etc. Voilà, ça, c'est la manière catalane. Mais à partir du XVIe siècle, c'est l'Italie qui explose. Et on le trouve dans tous les domaines. On le trouve dans tous les domaines. Je parlais tout à l'heure, avant le sac de Rome, qui a eu lieu en 1527, il y avait 21 cours cardinalistes, donc c'est une richesse absolument incroyable. Et l'Italie attirait les meilleurs talents d'Europe. Ceux qui voulaient apprendre
à travailler en cuisine, eh bien, ils allaient faire un stage en Italie. Parce qu'en plus, ils trouvaient du travail en Italie. Et surtout, les Italiens, les grandes familles, les princes de l'Église et les grandes familles aristocratiques italiennes, aimaient beaucoup faire venir des cuisiniers, enfin des officiers des métiers de bouche, allemands ou suisses. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils avaient confiance en eux. Parce que c'était des personnes fiables. Parce que c'est les princes de l'Église et les familles régnantes craignaient, la chose la plus qu'ils craignaient, c'était l'empoisonnement. Et donc, ils se fiaient beaucoup aux Suisses, parce que c'est des personnes sérieuses sur lesquelles on pouvait compter, et qui étaient toujours hors des intrigues de cour, etc. Donc, il y a beaucoup de praticiens cuisiniers ou maître d'hôtel, etc., allemand ou suisse, en Italie, au XVIe siècle. Oui, une petite remarque. Dans cet après-midi tellement stimulant, on a évoqué, surtout vers le début, l'image d'une cuisine italienne pauvre. Or, il est vrai que cela existe. Mais ton intervention rend justice à la cuisine italienne dans toute sa complexité. Alors, c'était aussi une cuisine de cour, même si l'Italie n'était pas un pays centralisé comme la France, oui. Et c'était une cuisine utilisant des ingrédients très nobles. Il n'y avait pas que la petite tomate et les anchois. Il y avait plein il y avait le gibier, oui. Il y avait les crustacés, oui. Il y avait un élevage de caviar, oui, par exemple, la République de Venise, oui, n'est-ce sûr, pas bien voilà. Bien et je crois que l'Italie est toujours l'un des principaux producteurs. C'est le deuxième producteur de caviar. Deuxième producteur mondial de caviar. Donc, il est un peu simpliste de penser que la cuisine italienne serait une cuisine de non, mais c'est en fait misérable. Les Italiens, à partir du 18e siècle, mais je vais en parler tout à l'heure, vont abandonner la scène culinaire, cuisine artistique aux Français, et ils vont se diriger vers le territoire, vers la cuisine plus simple, familiale, etc. Et depuis la fin du 17e siècle jusqu'au début des années 2000, la cuisine française, la haute cuisine française, la cuisine des cuisiniers, je parle pas de la cuisine familiale, domine la scène internationale. Et les Italiens vont changer ça. Mais ce n'est pas vrai au XVIe siècle. Et je ne suis pas d'accord avec Massimo Montanari quand il dit que c'est simplement une cuisine de réseau. Il y a une exception et c'est le XVIe siècle. Pourquoi ? Parce que tous ces professionnels, l'Italie compte le plus grand nombre de professionnels et c'est les meilleurs au monde. Enfin, le monde connu de l'époque, c'est-à-dire les plus réputés hein, de l'Europe. Ils comptent ces professionnels qui passent d'une maison à l'autre, qui travaillent à Florence, qui travaillent à Rome, etc. Et donc il y a une culture gastronomique partagée, commune à la haute société italienne, et qui est servie par des grands professionnels. Et je voulais vous parler le plus grand professionnel du XVIe siècle, qui s'appelle Bartolomeo Scappi, qui a écrit l'opéra, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure. Alors, Catherine de Médicis ne l'a pas apporté en France, parce que l'opéra elle paraît en 1770, et Catherine de Médicis arrive en France au début des années 1530. Donc, Catherine de Médicis a été une grande reine, a fait beaucoup de choses, mais elle n'a pas fait grand-chose pour la cuisine italienne. Il faut oublier un peu. La cuisine, elle passe par autre chose. Elle passe par les professionnels, elle passe par le livre, elle passe par la communication. C'est un mythe, celui de Catherine de Médicis, qui naît au XVIIe siècle déjà. Et il y a beaucoup de cuisiniers qui écrivent des livres et qui disent, oui, à la suite nous sommes tombés en décadence, notre cuisine, notre art culinaire est tombé en décadence, mais il faut dire que ce sont nos prédécesseurs qui ont appris aux Français à cuisiner.
Je ne crois pas que c'est comme ça que ça se passe. Les Français ont emprunté beaucoup de choses aux Italiens, mais pas la pratique culinaire. Pas la pratique culinaire. Quand l'ambassadeur de Venise vient en 1560, vient à Paris, il est de Venise, il ne vient pas d'une ville bourgade, il vient de la ville la plus riche d'Occident. Il est étonné, en arrivant à Paris, de voir la profusion, l'offre alimentaire qu'il y a. Il dit, vous pouvez vous commander un repas à 10, 20, 40... bon, je parle de francs, mais c'était pas à l'époque. C'était pas. Et on va vous le servir le soir même chez vous. On vous l'apportera. Il dit, c'est extraordinaire, vous avez les rôtisseurs qui vous font ci. Donc, il est étonné par l'offre, par le bouillonnement alimentaire, l'offre alimentaire de Paris. Donc, et c'est l'ambassadeur de Venise. Hein. C'est pas quelqu'un qui vient d'une ville pauvresse du fin fond du désert. Hein. Bon, voilà. Donc, je voulais vous parler de Scappi, mais Scappi, il n'y a pas que Scappi. Les Italiens, ils sont capables de... Scappi est capable, par exemple, d'organiser un banquet à la française. Il est capable d'organiser un banquet à l'espagnol, parce qu'à l'époque, les rapports avec l'Espagne, naturellement, sont très, 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 très forts. Donc, il est capable d'organiser un banquet à l'allemande. Hein. Il est capable d'organiser le voyage du pape. C'est-à-dire qu'il a deux équipes de cuisiniers et de toute la suite de la brigade qui vont aller, avant dans la ville de la prochaine étape du pape. Ils vont préparer le repas pour le pape, pour quand il va arriver. Et de là, l'autre équipe va partir à la ville plus loin, etc. C'est un organisateur, c'est une tête. Et en plus, il a une culture absolument extraordinaire. Mais, et c'est ça qui ne va peut-être pas permettre à l'Italie d'arriver à la première place, de faire, c'est qu'il est respectueux de la tradition. Il est respectueux de ses prédécesseurs. Il est respectueux des procédés qu'il fait. Et donc, il ne veut pas les jeter à la poubelle comme vont faire les cuisiniers français du XVIIe siècle, qui vont dénoncer les anciens comme des archaïques qui ne savent pas cuisiner, qui sont mauvais, etc. Et il va les intégrer, et il va améliorer, il va élargir énormément, mais il ne va pas révolutionner le champ de gastronomique italien et européen. Et donc... En Italie, à cette époque, il y a les banquets, ce sont les banquets les plus fastueux qui puissent exister. Et il y a, par exemple, alors, il y a la mode de faire des banquets sur des thèmes. Alors, ce sera le thème de Neptune, par exemple. Et donc, tous les plats auront la forme de produits de la mer, et il y aura des décors faits en sucre, parce que Venise, à l'époque... C'est la ville de la confiserie. Là, je vous mets de la statuaire, une statuaire qui a grandeur d'homme, hein, en sucre. C'est de la statuaire éphémère, naturellement. Et qu'on commande à Venise, à ces artisans, à ces confiseurs absolument extraordinaires et réputés à travers toute l'Europe, pour, si vous préparez un banquet à la gloire de Neptune, eh ben, il va vous faire des baleines, il va vous faire des dauphins, il va vous faire, etc. Et donc, là, j'ai choisi, parce qu'on a fait en Italie, il n'y a pas si longtemps, une exposition, et on a fait refaire les triomphes, et on appelle ça les triomphes, qu'on mettait comme décor sur les tables. Donc, alors, le règne, le XVIe siècle, est entièrement italien. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui viennent s'instruire auprès des Italiens à l'art de la confiserie, par exemple. Et il y a un personnage très connu dans la légende française, qui est Nostradamus, hein, vous savez, conseiller la reine Catherine de Médicis, etc., qui aurait eu un rôle de mage auprès d'elle, etc. Bon, tout ça, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai. En tout cas, c'était quelqu'un qui voulait écrire un ouvrage sur l'art de la confiserie. Et il va en Italie, il voyage en Italie, il veut s'informer de comment on procède en Italie, etc. Et donc, au XVIIe siècle, il va y avoir
une grande révolution qui va se passer en France. Et cette révolution, elle est fondée sur deux idées simples. On revient à la cuisine, on ne fait pas de la mise en scène, on s'occupe de cuisine, les cuisiniers font de la cuisine. Et deuxièmement, les produits doivent avoir, les recettes des produits, les préparations doivent avoir le goût du produit. Et là, nous avons quelqu'un comme Bonnefond, par exemple Nicolas de Bonnefond, qui a écrit Les délices de la campagne en 1655, et il dit qu'il faut qu'un potage au chou sente entièrement le chou, qu'un potage au poireau sente le poireau, aux navets, les navets, etc. Et là, vous avez l'idée qui va qui va être reprise avec les tenants de la nouvelle cuisine dans les années 70 et qui vont dire on va abandonner tous ces nappages, etc. Il faut qu'on revienne au goût du produit. Hein. La simplification de la cuisine, de la nouvelle cuisine des années 70, c'est ça. C'est déjà Nicolas de Bonnefond avait fait ça. Et là, il va y avoir une véritable révolution qui va se passer, et elle est conduite par les cuisiniers français. C'est à partir de 1651, et le premier ouvrage à lancer la mode, c'est celui que j'ai cité tout à l'heure, c'est Le cuisinier François d'un certain Pierre de Lavarenne. Pierre Lavarenne. Et donc, on rejette la vogue des épices. Mais au 16e siècle, les Français vont continuer à aller en Italie, à faire des choses. Par exemple, les eaux, les liqueurs, la confiserie, naturellement, hein, les glaces, les sorbets, les crèmes glacées, tout ça vont être... Il y a quelqu'un qui s'appelle Odiger, qui va aller en Italie, qui travaille auprès de la cour de Versailles, et il va aller... Il va apprendre, et il va revenir, et il va proposer ses recettes, ce savoir-faire qu'il a appris en Italie à le faire. Mais donc, portée par la cour de Versailles, la cuisine française va s'imposer à travers toute l'aristocratie européenne, et son règne va durer jusqu'au début des années 2000. Et la cuisine française, elle a ce site particulier, et c'est ce qui va faire peut-être à la fois son essence et son efficacité, c'est que c'est une cuisine révolutionnaire, entre guillemets. C'est-à-dire que la nouvelle génération veut se distinguer de la précédente, et elle veut faire autre chose, et elle dénonce, des fois avec beaucoup de hargne, et beaucoup ses prédécesseurs, en disant qu'ils ne savaient pas faire, qu'ils faisaient des albigondis innommables, et qu'eux, ils proposent une nouvelle cuisine. Et l'histoire de la cuisine française, c'est de nouvelle cuisine en nouvelle cuisine. Il y a une nouvelle cuisine au XVIIIe siècle, hein, qui va naître d'ailleurs qui va être portée par un cuisinier qui travaille en Angleterre. Il va y avoir une nouvelle cuisine avec Carême, Antonin Carême, qui va dominer le XIXe siècle. Et puis il va y avoir la nouvelle cuisine avec Escoffier, hein, vous savez, qui va placer les cuisiniers français dans tous les palaces du monde. Hein, et il y a même des cuisiniers français, par exemple, dans les grands palaces en Italie, à Florence, par exemple, au Savoie, à Florence, il y a... Le menu est en français, directement. Et vous savez qu'à la cour des Savoies italiens, les rois d'Italie, on a parlé français, et on proposait des menus en français jusqu'en 1912. Donc, ça a duré très longtemps. Et les cuisiniers italiens qui veulent, ceux qui ont de l'ambition, qui veulent faire une carrière internationale, vont aller en Italie, en France, apprendre à cuisiner de la cuisine française. Et cela reste encore. Je suis allé un peu vite, voilà. Et cela reste encore vrai parce que, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, Gualtiero Marchesi, le grand chef italien qui a redonné ses lettres de noblesse à la haute cuisine italienne, parce que, comme on a entendu tout à l'heure,
on vous parle de la cuisine pauvre, des recettes, qui c'est merveilleux d'être capable de faire plaisir, de faire des plats simples, savoureux, etc. C'est la cuisine italienne, c'est génial pour ça. Mais ce n'est pas de la haute cuisine. Et sur la scène de la haute cuisine internationale, les Italiens ont fait un grand retour. Et c'est à partir de... Les grands chefs italiens ont fait un retour remarqué et remarquable. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, dans toutes les villes, les grandes villes du monde, il y a des grands restaurants gastronomiques italiens hein, qui n'ont rien à envier sur le plan de la dépense aux grands restaurants français. Et donc, Gualtiero Marchesi s'est formé en France. Et Bottura... Si vous parlez de comment il s'appelle, Massimo Bottura, qui est le chef le plus connu, l'italien le plus connu à l'heure actuelle, qui a créé donc l'Osteria Francescana à Modena et qui a gagné deux fois le World, le 50 World des restaurants du monde, hein, les 50 meilleurs restaurants du monde, il est arrivé premier deux fois. Et donc, il s'est formé. Pas l'apprentissage à 14 ans, mais plus tard, quand il a voulu atteindre à l'art, il s'est formé dans le circuit de restaurant d'Alain Ducasse. Et après, ces gens, leur propre talent, leur double culture, etc., fait qu'ils proposent quelque chose d'innovant, de propre, et c'est leur cuisine signature dont j'ai parlé au début. Voilà, excusez-moi si j'ai dépassé. Et donc, j'appelle Luisa Polto Branlard pour tirer quelques conclusions. J'étais très intéressée par... d'abord, j'ai beaucoup apprécié l'exposé de Barbara qui nous a fait aimer toute la chimie tellement difficile à comprendre normalement. Et là, on a vu toutes les molécules qui se mélangeaient, qui agissaient en symbiose. Et c'est très intéressant de découvrir qu'un simple baba peut cacher tellement de mystères, des mystères et de charmes. Voilà, et puis toutes les interventions, les cafés parisiens, je dois avouer que je ne connaissais pas cette histoire intéressante de leur développement et de leur importance pendant le 20e siècle et le 19e. J'en connaissais quelques-uns, mais j'ignorais que tellement de cafés avaient eu une grande popularité et qui avaient attiré le public français qui avait intéressé non seulement les Italiens. Et puis tout m'a paru très intéressant. Qui bisogna ringraziare le persone che hanno partecipato. Grazie a Corrado Augias, Carmen Guerriero, Barbara Rega, Denis Sayar, Silvano Serventi e naturalmente grazie all'Istituto Italiano di Cultura che ci ha accolti. E facciamo un ultimo applauso per la Accademia Italiana della Cucina e in particolare a Luisa.